Nous sommes le 1er mars 1969 sur le Hedvolk, qui actuellement s'appelle le Hoogland-Enusblad, donc la première course sur le territoire belge. 193 km au menu, un départ et une arrivée à Gand. Et donc, malgré les monts et les pavés, 14 coureurs vont donc se disputer la victoire finale dans la cité gantoise. Et donc, vous allez voir au sprint, eh ben, les Belges, bien sûr, dominaient cette course. Et c'est la victoire d'un néo-pro qui disputait sa première course, la légende Roger de Vlaminck de la formation Flandria, qui s'impose devant Daniel van Rijckeghem et Valer van Swedveld. Donc, voici les images de cette première victoire pour un coureur qui va gagner dans l'avenir. Ben, tous les monuments du cyclisme. Ciao tout le monde.